Bonjour à tous, saviez-vous que chaque jour, plus de 870 000 personnes prennent le train en Belgique? Une carrière à la SNCB est possible, et ici, ils engagent. Suivez-moi. Vincent, vous êtes le porte-parole de la SNCB, une entreprise du service public qui cherche à engager énormément de personnes cette année. Absolument, la SNCB recrute énormément et cette année nous engageons 360 conducteurs de train et 300 accompagnateurs de train. C'est dû au succès exponentiel du train, de plus en plus de gens l'utilisent, il y a de plus en plus de trains, donc de plus en plus d'engagement. Conducteur de train, c'est un métier qui demande une formation spécifique? C'est un métier qui demande une formation très complète et qui est donnée à partir du moment où vous êtes engagé comme conducteur de train à la SNCB. Vous avez une formation de 200 jours ouvrables rémunérés. Tu peux rentrer? Oui. Ah, génial. Bon, David, vous êtes conducteur de train. Est-ce que c'est un métier qui demande beaucoup de concentration? Oui, énormément. Bon, il y a la conduite, mais il y a tout ce qui tourne autour de la conduite, la signalisation, la réglementation, et donc forcément, il faut être très attentif. La moindre erreur peut coûter cher, donc ça demande beaucoup de concentration, en effet. C'est pas trop dur d'être tout seul comme ça dans une cabine pendant presque 10 heures? Ça, voilà, il y a une certaine monotonie. C'est vrai qu'on préférerait pouvoir discuter avec l'accompagnateur, l'accompagnatrice. Ça a égaré un peu les journées, mais le problème, c'est toujours le risque de manque de concentration et donc, encore une fois, de commettre une faute. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arrivons en gare de Otigny. Prochain arrêt, gare de Otigny. Cindy, vous êtes accompagnatrice de train. En quoi consiste votre métier au quotidien? Le métier consiste à contrôler les voyageurs, leur vendre leur titre de transport. On doit respecter la ponctualité du train, donner l'information et accueillir les voyageurs et surtout faire attention à la sécurité à bord des trains, la sécurité des voyageurs ainsi que de nos collègues. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut des fois gérer les conflits avec les voyageurs. Maintenant, le tout, c'est de garder son calme et savoir s'éloigner en cas de problème et d'appeler à l'aide, si je peux dire. Mais vous gérez? On gère, voilà. Finalement un métier assez complet et pas répétitif en fait. Oui, il varie quotidiennement, même en faisant toujours le même service. Il n'y a pas une monotonie dans notre travail. On a parlé des conducteurs, des accompagnateurs, mais il y a aussi d'autres profils que vous recherchez. Alors au total, nous recrutons 1400 personnes, parmi lesquelles aussi des techniciens en atelier, en charge de la maintenance de l'ensemble des trains, et aussi tous les métiers connexes au sein de la SNCB, qui est un univers en soi, où on retrouve des métiers de l'administration, du marketing, etc. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces informations. Nous, on se donne rendez-vous sur waldorado.be pour découvrir toutes les autres offres d'emploi, comme ici, à la SNCB.